Salut, je m'appelle Dario Katie Avillard. Je suis élève à l'école Dora Kennedy French Immersion et aujourd'hui je lis Bistro Cache-Cache par Pam Schellier. Les animaux sont très intelligents quand il s'agit de se cacher. Certains se cachent des prédateurs, d'autres se cachent pour devenir des prédateurs. C'est comme ça que les animaux survivent. Je suis déterminée à trouver certains de ces bestioles cachées. Peut-être que vous pouvez aider. Voyons à quel point nous sommes habiles à trouver les bestioles cachées ou dissimulées dans les livres photos de ces livres. Certains animaux sont des chasseurs et d'autres sont habillés à se déguiser. Pour ces pages, il y en a qui sont cachés. Pouvez-vous les trouver? Certains animaux comme le serpent et l'araignée peuvent se fondre parfaitement dans leur environnement. Certains animaux peuvent également changer pour correspondre à leur environnement. Seules les herbes sont vertes quand elles se trouvent sur les feuilles de la plante et brunes quand elles se trouvent sur les branches. Les herbes utilisent le camouflage pour duper les prédateurs. Les rayures les aident à rester en vie. Si vous regardez la prairie, à midi, vous pouvez facilement voir un troupeau de zèbres. Au crépuscule, les troupeaux de zèbres se fondent dans l'obscurité, ce qui empêche les chasseurs du soir, comme les lions, de les voir. Lorsque les zèbres se rassemblent, il est difficile de choisir l'un d'entre eux en dehors du groupe. Ceci est un autre facteur qui les sauve des prédateurs. Combien de zèbres voyez-vous? Les otaries aussi se font dans leur environnement. Pouvez-vous dire comment? Les lézards viennent dans beaucoup de couleurs différentes. Ces lézards sont bruns et ressemblent aux branches du buisson dans lequel ils se cachent. Combien de lézards ou de parties de lézards voyez-vous? Les iguanes se cachent des prédateurs en se fondant avec les couleurs des branches, de l'herbe et des ombres de leur environnement. Les crocodiles et les alligators peuvent à la fois se cacher et se déguiser. Voyez-vous la photo où les crocodiles sont pliés afin que les prédateurs ne puissent pas facilement en choisir un dans le groupe? Pouvez-vous trouver le crocodile déguisé en rocher? Recherchez les alligators déguisés en bouche gisant dans l'eau ou dans l'herbe. Les cerfs ont un pelage qui les aide à intégrer à leur environnement. Il est difficile de voir les cerfs debout dans l'herbe. Sa coloration correspond aux arbres et arbustes. Les cerfs ont des bois qui ressemblent aux branches des arbres. Combien de bois voyez-vous? Voyez-vous les animaux qui se cachent sur ces photos? Le porc épic ressemble à une plante ou à un arbuste. Il est difficile de croire qu'un animal se cache ici. Cette chenille à furie s'attache parfaitement à son environnement. Cela ressemble à un champignon qui pousse sur l'arbre. La sauterelle vient dans une variété de couleurs. Cette sauterelle brune se fond avec la salité et les feuilles en décomposition.
Voyez vous les animaux qui se cachent ces photos. Le porc épique ressemble à une plante ou à un abysse. Il est difficile de croire qu'un animal se cache ici. Ce chenille à fourrure s'intègre parfaitement à son environnement. Cela ressemble à un champignon qui pousse sur l'arbre. Les sauterelles viennent dans une variété de couleurs. Cette sauterelle brune s'effondre avec la salité et les feuilles en décomposition. Amusez-vous bientôt en lisant des tonnes de livres cet été.